13 ans. Il n'avait plus de parents, il s'est retrouvé tout seul dans un camp de concentration. Et la seule chose qu'il a réussi à faire pour supporter tout ça, c'était d'écrire. Donc tout ce que vous allez entendre a vraiment été écrit par un garçon de votre âge. C'est juste que c'était il y a 70 ans, dans des circonstances complètement tragiques, puisqu'il a écrit ça. Et puis quelques semaines après avoir écrit son tout dernier poème, que vous entendrez à la toute fin, il est parti à Auschwitz et il a été exterminé dans une chambre à gaz. Donc c'est juste pour la raison pour laquelle votre professeur, M. Faure, vous parlait du silence requis pour écouter ce genre de texte. Vous allez voir que de temps en temps c'est drôle, de temps en temps c'est plus léger, de temps en temps ça va vous surprendre. Si vous avez envie de rire, vous riez. Parce qu'il est aussi là pour faire marrer ses copains, ce petit garçon. Quand il a écrit sa pièce de théâtre notamment, c'était pour les faire rire. Parce que, bah oui, il y a la mort environnante, il sait que ça va lui arriver, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de rire. Donc on voulait juste vous redire le contexte dans lequel ça a été écrit. Ce n'est pas vos camarades qui l'ont écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une vraie personne qui aujourd'hui aurait l'âge de nos grands-parents, mais qui n'a pas eu l'occasion de vivre toute une vie. Et cette vie s'est arrêtée à 14 ans. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on a fait à 14 ans. On a l'impression qu'on a l'avenir devant soi, on n'a plus le temps de faire grand-chose. Et lui, il a déjà eu le temps de faire tout ce que vous allez entendre. Voilà, je laisse la parole à vos camarades. On est entre 1939 et 1945 à Térézine, qui est un camp de concentration créé par les nazis. Donc les nazis, ce sont des hommes qui sont antisémites, qui n'aiment pas les juifs. Et dans ce camp, il y a Anouch Aschenbourg, qui est un jeune homme de 13 ans, qui est l'auteur de tout ce que vous allez entendre et donc de tout ce qui va suivre. Donc comme l'a dit Elodie, Térézine est un camp de concentration, mais ce n'est pas vraiment un camp de concentration comme les autres, puisque les nazis se servent de ce camp comme propagande. Par exemple, lors de la venue de la Croix-Rouge, les nazis vont y installer des pancartes indiquant des maternités, des cinémas, des théâtres, tout ce qu'il y a de plus banal dans une ville. Or, Térézine n'est pas une ville banale. Les personnes qui y sont enfermées sont là pour jouer la comédie et faire croire que tout va bien et que les conditions de vie là-bas sont normales. Or, ce n'est pas la vérité. On sait que maintenant que Anouch avait des conditions de vie terribles et que c'est pour ça qu'il se retrouvait avec 90 autres personnes de son âge pour créer un journal dans lequel il y ait tous les poèmes et la pièce de théâtre que vous allez entendre. Il volait pour cela du crayon, du papier. Il faut savoir que si les nazis les trouvaient en train de voler ces objets, c'est ce qui les amenait directement à la mort. De plus, ils vont créer une société pour remettre des droits, des libertés et des devoirs, tout ce que nous avons dans nos sociétés, mais que eux n'avaient plus. Et Anouch a aussi écrit une pièce de théâtre qui est une caricature de Hitler et du régime nazi. Une caricature de Hitler parce qu'elle représente un roi fou et sanguinaire, et une caricature des nazis puisqu'on y retrouve deux personnes qui représentent les nazis et qui sont tout aussi ridicules que le roi. Et donc c'est ce qui va suivre. Pièce de théâtre d'Anouch. Acte 1, scène 1. Chez le roi. Permission, votre majesté, j'ai une proposition à vous faire. On a besoin d'un fantôme. L'idée est bonne. La mort, un squelette, de ça les gens ont le plus peur. Le service de sécurité des saucissons brutaux pourrait l'accompagner. Ah, votre service? Excellent. Je vais vous conférer un ordre de la bienfaisance, l'ordre du sang par exemple. Je vous félicite, monsieur le surcommandant, chef supérieur de la sous-section. Je vais l'annoncer à tous mes corédigionnaires. Passez-moi le microphone. À tous mes sujets, j'ordonne que dès à présent, tous les vieux os de n'importe quelle origine soient ramassés par les organes exécutifs des analphabètes idiots. On ramasse tous les os de plus de 60 ans d'origine humaine et animale. Si quelqu'un omet une personne ou un animal étant en obligation d'être ramassé, il sera puni par la mort infernale au feu éternel. Moi, le roi analphabète Gueule Ier, illuminé par Dieu, je construirai, sachez-le mes chers collaborateurs, un squelette qui hantera les gens et répondra ainsi à toutes les exigences de l'homme moderne. Génial. Poème clandestin. La vue depuis le café. Le café,
Ça, c'est un bel endroit. Là-bas, c'est sûr, je prends une tasse de thé. Quand les groupes qui jouent font des fausses notes, je regarde la clôture en fil de fer du quartier général allemand et les putains qui apportent le café. Elles n'ont pas le choix, alors elles sourient simplement. Je m'amuse avec un visage enjoué. Là-bas, elles emmènent les mourants. Ce ne sont que des hommes vieux qui poussent les chariots funéraires, comme un symbole de leur année au bout de leur laisse. Et au-delà, ce bâtiment vert est à moitié dévoré par le typhus. Pourquoi est-il possible de s'asseoir ici au chaud, alors que le monde d'en bas se bat pour les miettes de pain? Et les applaudissements, le groupe joue du jazz, submergé d'impression. Je me suis envolé au loin, et la musique résonnait comme le gémissement d'un chat, accompagné par le cri des corbeaux au-dessus des plaines couvertes de neige, comme du ver putride qui essaie de me pousser dans la tombe. Là-bas, j'enlaçais un monde d'époque et de vent, un monde de faim et de misère, un monde de kilomètres, comme la fleur ensoleillée qui est mon hôtesse dans le monde réel. Poème clandestin, questions et réponses. Qu'y a-t-il de bon dans la science pour l'humanité? Qu'y a-t-il de bon dans la beauté des belles femmes? Qu'y a-t-il de bon dans le monde quand il n'y a pas de droit? Qu'y a-t-il de bon dans le soleil quand il n'y a pas de journée? Qu'y a-t-il de bon en Dieu, simplement la punition? Où existe-t-il afin que l'humanité se porte mieux? Où sommes-nous des bêtes qui souffrent sous le joug de leurs émotions pour simplement se décomposer? Qu'y a-t-il de bon dans la vie quand le vivant souffre? Pourquoi le monde n'est-il simplement qu'un gigantesque rempart? Sache, mon fils, que tout est là, afin que tu puisses devenir un homme et faire la guerre. Poème clandestin, haut et bas. Quand j'étais enfant, je savais simplement que l'esprit de la fleur de sureau est vraiment un esprit. Et que la statue de Venceslas était un héros transformé en pierre. Et que la lune était un gars sympathique avec un nez et une bouche. Et que quand il pleut, ça vous fait grandir. Et qu'une horloge est un âge emprisonné. Et maintenant, tout ça est sans vie et a perdu sa beauté. Pour être capable de m'aimer et d'être un ami, encore vêtu de ma couche, je suppose que je recherche la beauté. Alors, j'apprends à rêver dans la vie. C'est ce qui est merveilleux avec l'enfant, que cela sanctifie avec une âme les choses que cela aime. Nous avons régressé. C'est un effort pour moi d'aimer aussi les choses mortes. Poème clandestin, Mater. Je porte Mater dans mon cœur. Elle est pour moi seule. Tissée par la beauté des fils, le rêve permanent est éternel. Je l'embrasse et la cajole et passe beaucoup de temps avec elle. Cette terre n'est pas en ce monde et pourtant, elle est partout en nous. Cette terre est au paradis par les étoiles, où il y a une nation d'oiseaux. Aujourd'hui je la vois dans mon âme, et je pourrais pleurer de solitude. Un jour, je devrais voler vers les hauteurs, libérer des liens dans mon corps. Je serai libre, lointain et large, et toute ma terre sera libre. Aujourd'hui, elle est petite, un grain de rêve forme son isolement. Elle se montre à travers cet endroit, lors de jours mélancoliques, empilés par les fureurs de la guerre. Un jour, j'entrerai dans ma terre. Et serai joint à ma terre natale. Là est ma terre, là est votre terre. Où il n'y a pas de moi. Et pas de souffrance. Poème clandestin, Souvenir. Sur son lit, là, dans la maison grise, la vieille femme souffrit. Personne ne la connaissait, et alors qu'elle périssait, aidée par du seul, elle caressait secrètement quelque chose. Un petit bout de carte. Je suppose que c'est tout ce dont le ghetto héritera d'elle après sa mort. Et elle n'arrêta jamais de s'envoûter, cette femme, sans aide, qu'elle voulait vivre pour voir un jour ses enfants. Elle ne voulait pas mourir, et tard dans la nuit,
Elle tordit ses mains et cela estompa le souvenir. Ensuite, durant la nuit, elle partit comme si elle était épuisée. Je fus bouleversé pendant la moitié d'une journée. Lorsqu'il vint prendre ses affaires, les vestiges, durant la matinée, la journée était magnifique et douce une fois de plus. Ils trouvèrent sur son lit quatre simples fleurs et la photo de son fils avec laquelle elle jouait. Elle l'empoignait si fort que quand ils la déchirèrent maloureusement de leur étreinte, elle se fendit en deux. Son regard était fixé sur ceci. C'est tout ce que je sais, mais je crois et j'espère que la mère fut incinérée en sa compagnie. Poème clandestin. Croyance en rien. Je suis seule. Je rêvais des rêves illusoires. Je suis seule. Les abris s'effondrent au loin. Je suis seule. Des nuages noirs d'effroi passent. Je suis seule. Nous sommes juste des épaves sur les vagues. Je suis seule. La flamme s'éteint aux vagues. Je suis seule. Et je tombe dans les rapides. Je suis seule. Je suis juste un lambeau sur des eaux. Je suis seule. J'ai perdu force et souffle. Je suis seule. Les roses poussent dans les jardins. Je suis seule. Et vais avec vous en silence proche. Je suis seule. Alors je peux étreindre parce que je suis seule. L'éblouissant, le brillant paradis des dieux. Je suis seule. Tout pour moi est né, de la solitude pour boire la lumière. Je suis seule. Dans les cendres après une flamme, je le sais. Il n'y a rien. Merci. Alors c'était, vous avez compris, la difficulté des textes, la complexité pour vous de comprendre, pour eux d'apprendre. Et malgré tout, je crois que, peut-être que je m'avance, mais en tout cas, ça a été le cas avec eux. Même si on ne comprend pas tout, on comprend l'élan général, on comprend de quoi ils nous parlent, même si effectivement, mais parfois on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces images? Qu'est-ce que c'est que ce mot que je ne comprends pas? Mais je crois que ce n'est pas grave, et je crois que ça doit nous rassurer en fait. On ne comprend pas tout, mais on saisit qu'il est seul, qu'il a pu avoir quelqu'un, qu'il assiste à la déchéance de l'humanité avec cette vieille femme qui meurt toute seule dans sa maison. Voilà, on a quand même compris ce dont il nous parle et ce qu'il essaie de nous esquisser. Et ce qui me surprend quand même, c'est qu'il a votre âge et qu'il s'exprime de cette manière-là. Et je crois que malgré tout, vous avez quand même saisi la profondeur et vous avez pu sonder en 10-15 minutes, hein, c'était pas très long. En 10-15 minutes, vous avez quand même à peu près compris les émotions qui pouvaient traverser Anouche. Parfois, il a envie de parler d'une terre où enfin il serait libre, parce qu'il nous parle de liberté, il nous parle d'amour. Mais il nous parle aussi d'angoisse, de mort. Enfin, vous avez une palette très très large en très très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il a une urgence à dire les choses. Il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Il ne sait pas si c'est une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Mais il sait qu'il ne deviendra pas adulte. Il l'espère. Mais il pense que ce ne sera pas le cas. Et malheureusement, la suite de l'histoire va lui donner raison. Parce qu'après avoir écrit le dernier poème, Croyance en rien, et sa pièce, c'est les dernières choses qu'il a pu écrire, quelques semaines plus tard, il est parti à Auschwitz. Donc, il avait cette présomption et pourtant, on sent une vraie envie de vivre. Il le dit, quand il pleut, ça vous fait grandir. Il a des réflexions d'enfant, et pourtant, ce sont aussi celles d'adulte. Donc c'est ça qu'on avait envie de faire partager. Et puis un petit détail, comme vous l'a dit M. Faure, moi j'ai fait de la recherche à l'université sur le théâtre dans les camps de concentration, et j'ai retrouvé par hasard ces poèmes qui, à la base, sont des petits bouts de papier rangés dans un carton, oubliés au fin fond des archives d'un musée en République tchèque. Et ça faisait 70 ans que ces poèmes, cette pièce de théâtre avaient été déposées là et n'avaient jamais été relus, jamais été touchés. Et donc en me rendant dans les archives, quand j'ai trouvé ce bout de carton et que je les ai sortis, moi je ne parle pas un mot de tchèque, mais juste j'ai vu qu'il y avait des dessins, j'ai vu qu'il y avait une jolie écriture, j'ai rapidement fait traduire et quand j'ai découvert que c'était un auteur aussi talentueux que ça, j'ai eu envie d'aller plus loin et c'est pour ça que j'ai édité le livre et que je propose à des scolaires de le faire entendre. Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que bah, grâce à vos camarades, vous connaissez maintenant Anouche Aschenbourg, alors que normalement, les nazis avaient tout bien organisé et tout fait il y a 70 ans pour qu'on oublie complètement son nom. Et bien là, la revanche, c'est que vous, maintenant, vous parliez d'Anouche, que vous le connaissiez, que vos camarades aussi, et que son nom soit prononcé un maximum de fois et que son œuvre soit connue. Voilà, donc en fait, vous n'êtes pas rendu compte, mais ce matin, vous avez fait un énorme pied de nez aux nazis. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, donc soyez heureux de ça.